Bonjour, internotatrice et internotateur, ici Galen pour les jeux du cygne. On continue la partie commencée en live sur Twitch ce matin. Donc, où on joue la baronnie de Lot sur une map assez intéressante, je trouve. Pleine de neutres, en fait. Pour l'instant, ça fait longtemps qu'on joue et on n'a toujours pas croisé notre adversaire. Alors, si là, on le voit. Parce que comme j'ai pris le contrôle de la tour de la destruction ici, ça donne la visibilité, mais c'est tout. Là j'imagine, non, il n'y a pas un équivalent. Il doit y avoir un équivalent quelque part. Donc ben, pas se croiser tôt ou tard. L'idée, ça va être d'aller se recharger en troupes. On va en avoir besoin là. Parce que ça fait quand même un bon moment qu'on guerroie et que bah, ça commence à être un peu compliqué. Celui-ci, pas. Pardon. Celui-ci va chercher des troupes T3. Là, j'ai le bâtiment T3 qui se construit et on avance. Sera intéressant de voir justement comment est-ce qu'il débrouille l'IA sur une map pleine de neutres comme ça, avec des combats qui sont pas toujours très faciles. Alors, de toute façon, j'ai que des troupes avancées. Là, je peux recruter ce que je veux. Eux, on les max. De toute façon, l'idée c'est de maxer tout le monde. Hein. Alors non, j'ai pas maxé mes squelettes. Ok. Bon, je garde pour l'instant les éveillés. Hein. Ils sont pas fifous, mais. Là, je repasserai récupérer les quelques cryptes, garder les cryptes. Toi, du coup, bah, tu vas d'abord aller au verger, histoire de récupérer un peu de sous. Et puis, hop. Ah là j'ai un. Ah oui mais. Ah bah si. Je peux. Bah, je vais me faire une essence. Hein. Histoire de continuer de gagner des sous. Ou une crypte. Parce que je vois que ça cogne un peu. Oh, j'en ai déjà deux. J'en ai déjà deux. Hop. Allez, qu'est-ce que ça va donner ces fées? Vérifie juste un petit truc. Alors. Waouh, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Ça va être temps d'axe. De nouveau. Ouais, non, les deux légions, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Alors, ils vont jusque-là. Mais ils agissent en dernier.
Ça comme d'hab. Trop loin. Trop loin. Là, on va se rapprocher de deux et... Ouais, j'inflige pas grand chose. Hop. Faisons plus d'essence. Là, il va y avoir une petite boule de feu sympathique. Oui, regroupe-toi bien. Parfait. Hop. Ça, c'est bon. Là, je vais faire ça. Il va mourir en même temps. C'est pas bien grave. Parce que lui, derrière ça, il le finit. Huit à 14 ici. Ah zut, parce que lui, il va pouvoir s'avancer. Moins 10 d'initiative, moins 1 de déplacement, ça c'est cool, jusqu'à la fin du round. Go là-dessus. Comme ça, il peut pas m'attaquer. Donc j'ai juste l'esprit des fées à gérer. Nettement mieux. Toc. Juste faire ça. 22 à 27. C'est géré. Soixante-douze de dégâts, c'est correct, mais il fait quand même un peu mal, donc on va l'attendre. Ouais, si là je peux le terminer. Oh, abusé, il reste rien. Il lui reste rien. Là, il lui reste vraiment plus rien. Hop. Alors, comment est-ce que je fais pour faire en sorte qu'il ne puisse pas agir? Je vais gérer ça. Je vais lui coller deux attaques à distance. Je peux même en faire 3? Non. Non, je pense pas. Là, je fais rien comme dégâts. Alors, je pourrais le repousser de 2 cases. Ouais, c'est pas mal ça. Hop, je passe mon tour. Là, normalement, il ne peut pas m'atteindre. Tac. Voilà. Et voilà. Bon, de toute façon, la double attaque. C'était ce qu'il fallait. Alors là, je vais remonter ici. Ça s'annonce brut, souffle inferno. Comme ça, ça me permettra d'accélérer l'avenue de mes légions. Waouh. 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 Alors, ceci dit, je peux faire en sorte que son canon soit obligé d'avancer, voire ne puisse pas tirer, qui va s'avancer là. C'est à quelle portée de base? 8. Et un déplacement de 1. Donc il peut aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10. Normalement, il y aura plus 2, donc là, il pourra pas tirer. Ça, c'est pas mal. Inverser les deux là. Il va falloir se la jouer fine encore. Normalement, si je me suis pas planté, il peut pas m'attendre. Il faut juste pas que j'aille plus loin que ça. Ouah, ça agit vite, ces saloperies. Ouais, nickel. Donc c'est ça. Ceci dit, il va clairement jouer avant moi. Alors lui ne peut pas m'atteindre, lui pourra par contre. Bah, je vais pas le bouger. Ah. Je vais le reculer. Tac. Yes, vive le poison. Alors, je peux. Oh, je vais en tuer qu'un là. Ici, je fais quoi? Je fais que 75 de dégâts, mais c'est pas terrible. Alors, je peux le repousser. Ça se déplace de combien, ces bestiaux? Ça se déplace de 4. Alors, si je le repousse de 2, je peux en gérer une comme ça. Pour l'autre, de toute façon, il va me faire des dégâts. Donc, lui, je vais le repousser de 2. Comme ça, il peut pas m'atteindre. Lui, je vais le mettre là. Je peux lui coller un moins d'initiative aussi. Ce qui lui me permet de jouer avant lui. C'est nettement mieux. Je lui en tombe un aussi. Comme ça, il peut pas bouger. Ah oui, mais là, il pourra tirer. Ici. Ah là, il peut même pas m'atteindre. Mais sauf que là, il pourra se déplacer. Est-ce qu'il peut se déplacer? Déplacement. Et non, il peut pas se déplacer. Donc je l'immobilise pour un tour de plus. Parfait. Un arcane destruction. Ordre destruction. Et ordre destruction aussi. Là, il a encore le buff normalement. Il a encore le buff. Tac. Ah, lui aussi, je peux le repousser. Comme ça, j'aurais plus à le gérer. Je vais faire ça, je vais le repousser. Ah yes. Plus une attaque. Lui, de toute façon, il peut rien faire. Donc là, par contre, c'est ma dernière attaque avant qu'il ne puisse jouer. Donc je vais devoir essayer d'immobiliser les deux, ça va être chaud.
Je vais en prendre plein la gueule. Mais genre, plein la tronche. Re-Aurélien. On va l'énerver et 5-8, 5-8. Allez. Heureusement que c'est solide. Hein. Hop, lui je le finis là. Bim. Ça c'est fait. Parfait. Ensuite, il va falloir que je rush sur son canon. Hop. Tac. C'est plutôt le sort de déplacement là qui m'intéresserait. Lui, on va le envoyer en arrière. Il n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit. Là, il me faudrait, tac, la porte dimensionnelle. Hop. Et encore une autre. Et je peux le faire deux fois. Donc c'est bon. Tac, tac. Lui, en plus, je peux l'aveugler. Des fois que... Hop. Je peux lui faire un petit pas en avant, mais ça change sans doute pas grand-chose. Oui, ça ne change rien, mais c'est pas grave. Il peut plus tirer. Tac. Voilà, très bien. Bon, j'ai perdu du squelette, mais ils sont là pour ça. Tu joues à quoi, Aurélien? Niveau 15. Plus un tissu, c'est bien, mais... Plus 3 déplacements, plus dans la même vision, c'est moins intéressant. Je le laisserai par contre à mon numéro 2, qui sera très content de l'avoir. Améliorer, tiens, améliore cela. Tac. Oh putain la vache, ça coûte cher. D'accord, t'es aussi sur... Sur Songs of Conquest. Hop, alors... Donne les troupes. Non, alors je préfère plus de toxicologues que de plus que vous. Plus on... ça, je vais le mettre sur lui. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Ah ouais, sympathique, le porte-lumière. Bien, allez. Ah, lui, je l'ai pas. Ah, elle est là, la tour du chaos. D'accord. Ouais, je vais pouvoir aller chercher de l'autre côté. Tiens, j'avais pas vu que j'avais ça. Attends, c'est à quel niveau? Parfois, c'est pas méga clair de où est-ce qu'on peut passer, où est-ce qu'on peut pas passer. Là, j'ai l'impression qu'on peut passer.
Qu'est-ce que je vais d'abord aller chercher? Gant du phénix. Non, je vais. Là, qu'est-ce qu'il a? 28 archers, 41 sapeurs, 90 troubadours. Les champis géants, ça fait quoi? Ça fait moins 25 de défense. J'aime pas. J'aime pas trop, mais bon, faudra faire avec. On va essayer de gérer cela. On va se placer comme ça. Alors, lui peut se déplacer de 3. De 3, et ensuite il a une portée de 6. Oui, donc de toute façon il pourra m'atteindre. Oui, il y est presque. Mais il joue bien après moi. Mais j'ai surtout lui à gérer quand même. Il faut que je gère ça là. Ordre et création. Et création, j'en génère très peu. Ouais. J'en génère un par tour avec ma compétence. Ah merde, je me suis emporté mortel. Je me mets à côté, tu recules. Tête d'opportunité jeune, tu fais 7 légionnaires sur 18 gratos. Je comprends pas, je me mets à côté et tu recules. Ah oui. On va essayer de choper cela. Normal, il s'est attaqué à mes fléaux. Tout ceci est malheureusement tout à fait normal. Alors, je peux faire une petite boule de feu là. Une petite boule de feu sympathique. Bim! J'ai combien? J'ai 11 essences d'arcane. Là, est-ce que je le termine? Non. Non plus. Ouais, je pourrais essayer d'utiliser ta tech. Ouais, sauf que si je fais ça, je vais me prendre un coup. Je peux difficilement l'éviter. Où est-ce que tu peux aller, toi? Tu peux pas aller nulle part, en fait. Donc je vais plutôt me mettre là, me refaire un petit coup.
petit coup de magie. Et 72. Là, je te tue. Hop. Et du coup, je regagne de quoi faire. Escouade alliée, plus d'initiative, plus un déplacement. Lui, je vais pouvoir le scotcher ensuite. On va le fixer. Très bien. Il peut pas le jouer. Nickel. Allez. J'ai même pas besoin de m'embêter. Hop, je fais ça, ça. Hop. Et c'est fini. C'est fort l'attaque qui donne plus d'une attaque à distance. Bon, j'ai quand même 5 fléaux qui passent, mais. Alors, toi tu vas aller là, et toi tu vas aller là. Plus de déplacement, ok. Qu'est-ce qui m'a ici? Des cultistes, je m'en fous un petit peu. Qu'est-ce qu'il me faut là? Il me faut 15 ambres anciens pour le faire évoluer. Tout de suite. Les tisselines, par contre, je les ai, c'est pas un souci. Je vais me faire un comptoir d'échange, histoire de pouvoir récupérer les matériaux qui me manquent quand j'en ai besoin. Typiquement, j'ai besoin d'ambre que je n'arrive pas à choper. Donc, on va retourner par là-bas. Fin de tour. Ah oui, c'était un jaune ça. Plus 10 en défense, plus 5 initiative. Bah écoute, je vais pas dire non. Là, il y avait quoi? Il y avait plein de marteleurs, plein de rampants. On va essayer d'aller choper cette tour du chaos. Oh, ça devrait le faire ça. Alors, ça c'est pour dire que c'est des zombies, ils ont vraiment une initiative de timbre. Ah merde, je vais me faire des buffs. Je vais me faire des buffs en initiative et je risque de me prendre des coups que je n'avais pas prévu de me prendre. Eh oui, parce que du coup, il agit avant moi maintenant. Merdouille. Résistance aux dégâts sort moins 50%. Saloperie. Et merdouille. Ça m'indiquait pas le bon ordre dans l'initiative en attendant. C'est le prix.
Je vais pas trop les avancer. Hop, une petite attaque gratuite. Ça fait plaisir. Là, je peux être en hauteur. Non, je suis pas en hauteur. Oui. Ah, il m'a quasi tué. Il me l'a quasi tué, la vache. Alors. Ah, très bien ça. Très bien placé. Et plus ça. Bon, ça fait beaucoup moins de dégâts, mais. Allez, hop. Je vais l'empêcher de bouger. Si je joue en dernier, et ben, on va le laisser dans sa mouise. Hop. Je vais attendre que mes tireurs puissent faire. Voilà. Est-ce que je le finis? Oui. Bon, j'ai encore perdu plein de fléaux. Fèche. Et je peux en recruter, donc c'est pas très très grave. Niveau 16, allez. Ah ouais, ou alors ça. Les deux sont bien. Plus 3 d'essence par au premier tour. C'est soit plus 3 d'un coup, soit plus 2 chaque tour. Ce qui est très fort aussi. Ouais, non, ça c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ah non, je peux pas remonter là, en fait. Je pensais, mais je me trompais. Là, on a dit que j'avais besoin d'un nombre ancien que je n'ai pas. Donc, là, je peux en recruter plein, mais ça me bouffe de l'ombre ancien. Mais bon. Sauf que sur une escouade, c'est 5. Donc je vais juste en recruter 2. Hop. Je vais recruter ces gens-là. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Là, je vais mettre mes cultistes ici parce que j'en ai pas perdu. Attends. J'ai toujours mes 20, donc il me faut des fléaux, des légionnaires, légion nécro. Ouais, de toute façon, j'ai passé. Attends, des fléaux, il m'en faut 11, je crois. C'est ça, 11. Et légionnaire, tout ce que je peux.
je vais me prendre un petit fléau en plus. Histoire de pouvoir faire l'échange. Hop. Et on est reparti par là. Du coup, avant d'aller à la chasse ici, ça se fait quoi? Plus 2 essences d'arcane. C'est pas vraiment ce dont j'ai le plus besoin. Et ça me prendrait un emplacement ici que j'ai. Bon. Je vais pas m'en priver non plus, si je peux l'avoir. On va revenir par là. Toi, tu es au prochain tour. T'es ici. Donc, hop. Là, j'ai des sous. Là, je construis le marché. Pif. Pardon. C'est dans ce sens-là qu'on fait le transfert. Et on repart. Il y a quoi? Des sages. Et plein, plein, plein de gardes tempêtes. Bon, les sages, je les crains pas trop, putain, par contre. Ouf. Ça va picoter aussi, hein. En plus, ça ignore les zones de contrôle. Qu'il va falloir que j'essaye de me blinder là sur 2 zones. Pour les empêcher de passer. Donc je vais faire comme ça. Les toxicos ici. Le derrière. Allez, on est parti. Toi, tu restes là, tu es très bien là où tu es. Ici, hop, on blinde. Hop. Ah, il y a plein de petites troupes. Enfin, il y en a deux toutes petites troupes qui seront. Oh là, il va y avoir une belle boule de feu, je sens. Oh, je sens qu'elle va être belle, celle-là. Taper là. Ça roule. Merci pour l'info. Hop. Ah zut, j'ai pas collé ça avant. Dommage. Bah ceci dit, c'est maintenant ils commencent à tabasser un peu7 à 16. Allez, une petite boule de feu là. Ça nettoie. Les squats tibia obtient plus une attaque. C'est cool là. Mais le problème, c'est que je joue après. Donc, si je veux essayer de limiter les dégâts, alors, le 30 joue en premier. Logiquement, il va s'arrêter là. Du coup, le 47 pourra pas l'atteindre. Du coup, je vais immobiliser le 63. Par contre, je peux mettre ça sans problème. Hop. Là, on augmente la def. Là, on augmente les sorts. Zut. C'était pas prévu que je le tue. Mais c'était logique que je le tue. Toi, je te tue là comme ça ou pas? Oui. Allez. Donne-moi de tes jolis points. Hop, et toi, bim. Bon, j'ai encore pris cher avec mes squelettes là, mais bon, ils sont là pour ça, hein, mais bobo quand même. Hein. Toi, tu fais rien. Toi, tu fais rien. Toi, tu fais pas grand-chose non plus. De toute façon, je peux l'immobiliser en boucle. 30. Allez, c'est fini.
Je me demande vraiment ce sur quoi je vais tomber quand je vais tomber sur l'IA. Mais vu que je le vois pas du tout, je pense qu'il a pas trop réussi à se développer. C'est pas impossible. Et ben on va continuer, hein. Je vais encore choper une. Ah non, c'est une mine d'or. Donc je peux choper plus de d'ambre. Ah, et je peux surtout améliorer ça. Ça c'est cool. Du coup, là, je peux la décaler ici. Ça m'en fait 3 recrutables. C'est le moment de vérité. Tour 24. Quel tour, moi là? 28. T'es sur la même carte que moi? Une 1 vers une petite. Alors, je te prends. Je te prends aussi. Alors là, il me faudrait de l'ambre. Il en faut 2 par unité. Non, une toutes les 2 unités. Donc, je vais ici échanger. Je veux de l'ambre ancien. Ça me coûte 5000. Donc, de toute façon, je peux pas en acheter à ce tour-ci. Érudit Aurélien, spectre. Oh, putain. Elle commence à tabasser. En fait, c'est ça. Je pense qu'il n'a pas réussi à se développer. En fait, c'est une carte qui est faite. Qui est vraiment orientée PvE. C'est marrant parce que, de la façon qu'ils ont eu de construire leur carte, il y en a qui sont vraiment orientés PvP et d'autres qui sont vraiment orientés PvE, quoi. C'est pas du tout la même. Ouais, les spectres ici vont tabasser. Ok. Ok. Non, c'est le deuxième tour que je pourrais avoir vision troublée. Enfin, c'est tellement bien. C'est tellement un bon sort. Lui, il s'avance de 3 et il a une portée de 5. De 3, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux aller là. Si je me plante pas dans mes calculs. Lui, par contre, il a vraiment pas une portée ouf. Hein. En fait, c'est son seul gros défaut. Ah, ou alors sinon. Oui, mais je crois que même là, je toucherai personne. Parce qu'à la limite, avec le portail dimensionnel derrière, ça pourrait le faire, mais. Ça, c'est quoi? C'est 3 de l'ordre. Alors, si je vais faire. Je vais quand même faire ça. C'est bon. Lui n'a pas pu tirer. Alors, j'aurais quand même presque envie d'attaquer celui-là. Oh là là, le vilain. 75, 150, merde. Qui est résistant. Alors, eux en bloquer un. Je vais commencer par faire ça. Ensuite,
Je vais. Lui qui vient là. On va bloquer le mouvement de celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, je sais pas bien comment je vais le gérer pour l'instant. Là, je vais me caler. Ici. Hop, lui, je vais le mettre derrière. En prot. Là, j'avais pas vraiment prévu de me faire attaquer par celui-ci. Ah, alors, sinon, je fais ça. C'est bien aussi. Ouais. Pas ouf. Correct, ça fait quoi? 100, 105 de dégâts. 105 de dégâts pour un sort à 14. Ouais, c'est correct. Mais non, mais je dois pouvoir faire mieux avec les histoires de déplacement. Mais je vais le bloquer derrière. Tac. Alors. Derrière ça, il va m'attaquer là. Et derrière ça, je vais avoir lui qui va me donner une essence de destruction. Donc j'en aurai 10, donc je pourrais recoller une attaque de. Alors, sauf que si je l'avance, il va se faire attaquer. Ah là là. Ah, ou alors sinon. Eh non, parce que si je le. Ah, c'est pénible. Il manque un truc qui permette de mettre plus de portée. Comment est-ce que je peux l'immobiliser sinon? Ça, c'est forcément une escouade alliée. J'ai pas grand-chose. Ah, si, alors je peux faire ça. Oh, ça, c'est toujours bon. Allez, attaquez-vous les uns les autres. Franchement. Ah si, je peux le repousser derrière. Hop, comme ça, il peut pas m'atteindre. Mais il faut pas que j'empêche les légions de pouvoir attaquer. Portée, c'est quoi ta portée, toi? C'est 5. Si t'es là, 1, 2, 3. 2. 3, 4, 5. Tu pourras toujours attaquer lui, mais pas lui. Et ben. Oui, puisque là, il faut que je m'avance de. Allez, on va tenter ça. Ah, très bien. Bloque ton copain. Et je te bloque un peu plus. Ah, même non, je fais comme ça. Très bien, ça. Hop, allez. Ah bah non, merde. Bon, tant pis. Mal joué, mal joué, mal joué, mal joué, merde. Je me suis planté dans ce que je voulais faire. Hop, on recule. C'était absolument pas ça que je voulais faire. Hop, allez, on va les debuff et on va taper tout le monde. Toi, tu vas aller m'immobiliser celui-ci. Toi, tu vas tap. Faire ça. Là. Tu termines le spectre. Non, c'était con. Ah non. Est-ce que c'était con? Bah si je peux. Bim. C'est vrai que c'est drôle ça quand même. Le fait de pouvoir repousser, c'est quand même très très drôle. Sur qui je vais taper là?
Lui, je vois vraiment mes nécros. Hop, allez. Et lui, c'est bon, je peux le bloquer là. Tac. Sauf que lui va taper sur... Bon, je vais faire ça. À 14. Est-ce que je peux pas faire en sorte, ah si, je peux mettre plus d'attaque. 13 à 15, allez, voilà la petite frénésie qui va bien. Plus d'une riposte. Mouhaha. Plus 5 d'attaque, plus 5 de défense, c'est fat quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gants du phénix? Plus 3 d'essence de destruction, plus 3 d'essence de création, moins 3 PV, moins 20 de défense. Yachi! Toutes les unités ont moins 3 PV. C'est vraiment le truc. Plus 3 d'essence de destruction et de création. La vache. Création, c'est ça là. C'est plus 5 par tour. Ouais. Le moins 3 PV, c'est. C'est pas anodin quand même, hein. Qu'est-ce que je vais avoir là? Toxicologue. Oh, 51,99. Bon, c'est pareil, je vais faire une petite, un petit refill. Ah, le voilà. Le voilà. Le petit canaillou. Alors, ici, 6, j'ai pas assez de sous. C'est Christ. C'est Christ de pas avoir assez de sous. Alors, ceci des sous, si j'en ai. J'en ai plein, je vais revendre. J'ai absolument pas besoin d'en avoir autant. En plus, j'ai pas de système de recherche, donc j'ai pas assez de village pour ça. Donc, il me faut encore une ambre. Et du coup, ça me permettrait d'avoir mes 5. Tac. Encore une ambre. Acheter une ambre. Paf. Hop, hop. Et ça, je suis toujours preneur d'en avoir quelques-uns. J'ai plein de pierres à revendre aussi. J'en ai plus besoin de toute façon. Hop. Allez, refill. Tac. Et on échange les deux là. Bim. Est-ce que je garde ces petites... Bah non, ce que je ferai, c'est que je vais transformer celles-ci. Je vais les améliorer et ça me fera ma 7e escouade, ma 6e escouade. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Est-ce que je le vois? Non, je ne le vois pas. Et lui, est-ce que je vois ce qu'il a? Il est où son deuxième canaillou? Non, je le vois pas. Alors, plein de ces petites saloperies.
Ça, c'est très bien ici comme ça. Eux, je les aime pas du tout ici. Donc, on va aller se mettre plutôt comme ça. On s'éloigne des toxicologues. Histoire qu'ils puissent pas bénéficier de la hauteur. Oh la vache! Le nombre d'essence que j'ai de base, quoi. C'est effectivement un poil overkill. La golem. Et c'est dommage quelque part que j'ai qu'une seule magie, parce que du coup mes sorts en fait sont. J'ai des sorts qui sont très forts en destruction, mais beaucoup moins sur les autres magies, et puis surtout les communs. Les sorts qui sont communs à plusieurs magies sont limités au niveau 1. Tiens, toi, tu ne lanceras pas d'attaque à ce tour-ci. Ah tiens, je vais. J'ai perdu un ici. Hop. On se met en hauteur. Non, on va se mettre plutôt les eux ici en hauteur. Eux, ils apportent maintenant ordre et destruction. Ils ont aussi là, du coup, la garde. Eux, ils sont 10 maintenant. Ça, c'est bien ça. Hop, allez, un peu plus de hauteur. Et du coup, lui, ça permet d'être en zone mortelle. Là, typiquement, j'aimerais bien avoir la tempête arcanique sur un niveau plus élevé, vu le nombre d'essences d'arcane que je fais. C'est un peu dommage. Pareil, le souffle du phénix, c'est top. Quand tu arrives à bien le caser, c'est vraiment très très fort. Mais bah pour ça, il faut pouvoir le caser. Voilà, c'est presque un peu gâché. Tiens, lui, je vais l'immobiliser. Comme ça, lui, il peut pas m'atteindre. Je suis machiavélique. Ouais, quand même. Ce serait dommage de pas en profiter. Hey! Salut 119! C'est Ardarine tout seul? Habituellement, tu viens pas tout seul. Ah, si, d'accord. En v'là 11. T'étais avant la troupe. Salut Sobeka. Et merci beaucoup pour les 11. D'accord, tu préviens que t'arrives. D'où le brace yourself. Non, je peux pas en avoir. T'étais encore sur City Skylines? Alors, eux, ils vont pouvoir m'emmerder, oui. Lui, il va clairement pouvoir m'emmerder. Il avance de 3. Donc, il va être en mesure de m'atteindre. Reste-t-il encore beaucoup de choses à vivre sur City Skyline? Allez, on recule un petit coup.
Lui, est-ce qu'il va m'atteindre? Je pense pas. Non, ici décale de 3. Il avance de 3, mais il est comme il est en hauteur, il va perdre 1 de vitesse. Donc je peux rester ici. Tac. Le compte perso. Joli switch. Boum, 12 à 28. Ça commence à déboîter un peu. Ah oui, la double attaque en plus. C'était bon ça. Hop. Qui c'est qui veut encore un peu de magie? Là, c'est quoi? C'est l'escouade assignée ciblée obtient plus une attaque. Et ça, ah, ça c'est ordre et destruction. Toutes les escouades à distance obtiennent plus une. Ça sera moins impersonnel, c'est sûr. Comment je vais les gérer, eux? Pour rien me perdre. C'est lui qu'il faut que j'arrive à gérer d'une façon ou d'une autre. J'ai déjà lui en faire perdre 6. Comme ça, et lui, normalement, pourra être terminé. Donc, il me reste à gérer Eux. Hop, on va les debuff. Toi, tu sers à rien. Mais on t'aime bien quand même. 6 à 8. Tiens, on va. Tac. Je vais faire. Comme ça. Et comme ça, là, j'en arriverai même pas à en perdre. C'est fat. Hop. Tac. Le toxico, il attaque lui. Ah merde! Putain, j'en perds que deux. Et là, normalement, 12-18. On pourrait être sûr. Hein. Hop là. Voilà. C'est propre, propre. Ouais, je disais, Ardarin, c'est vrai que je suis. Merci. Je suis jamais allé voir tes lives sur City Skylines et je m'en excuse. Mais ça fait quand même un sacré bout de temps que t'es dessus. Qu'est-ce que tu fais tu fais des trucs spécifiques, tu. Qu'est-ce que tu as encore l'occasion de faire en fait sur City Skylines? Que de 4 heures. Ah d'accord. Ok. Ouais, c'est un rythme presque tranquille. Combien on attend? Ça va pas m'intéresser. J'ai déjà des gants. Superbe botte. Il y a des rangs de villes, d'accord. Allez chercher plutôt cela. Chevalier cornu. Allez. On va aller les chercher. Ouh. On va se passe masser un peu. D'accord. Ouais, c'est vrai que si t'en fais que 4 heures par semaine, c'est pas. Vous allez aller. Ça va vite, ces bestiaux. Le truc pour me donner plus de. Plus d'initiative à tout le monde, c'est. Alors, yes. Non, même pas ça. C'est lequel qui donne plus d'initiative à tout le monde? C'est celui-là. L'avantage, c'est que là, il a que du cac. Je vais faire aller là. C'est quoi? Deux arcanes, indestruction. Non, en fait, je préfère. Je vais plutôt doubler lui maintenant. Ce sera plus intéressant. Toujours pas top.
Alors, là, je suis pas en portée mortelle, mais ça peut s'arranger. Cent quatre-vingts. Je vais pouvoir attendre de voir. Ça picote. Lui, il n'est pas non plus en portée mortelle. C'est un peu dommage. Par contre, ça s'arrange. Hop. Voilà, je savais bien qu'il fallait que j'attende pour la boule de feu. Parce que là, c'est encore mieux. Alors, je vais sacrifier ces petits-là. Je vais les empêcher d'agir tout de suite. Ah, un petit plus 5 d'initiative, ça le fait, c'est très bien ça. Comme ça, lui, je le mets là, il pourra pas bouger. Je vais pas le faire attaquer, comme de toute façon il va mourir. Ah, j'en ai perdu un, saligaud. Là, je vais m'attaquer. Ah. Mouahahaha. Mon poison qui l'a tué. Ah, j'aurais bien testé la chaîne d'éclairs. Bon, sauf qu'elle ne fait pas beaucoup de dégâts, mais. Alors que ça fait nettement plus de dégâts. Tout de suite. Je peux pas te déplacer encore, toi? Bah si. Tac. Et comme ça te met en portée mortelle. Bim. Mouahahaha. J'ai réussi à ne pas les perdre. Roger, bon, il va y en avoir quelques-uns. Mais merci quand même. Niveau 18. Ah non, c'est naze ça. Ça, c'est vraiment naze. Aurélien Matout est encore dans le coin? Je me demandais si le pillage, ça valait vraiment le coup. Bon, ceci dit, archerie est pas mal, mais pas si ouf que ça, quoi. Je vais attendre avant de faire mon level up, du coup. Tu prends jamais piège, hein, on est d'accord que c'est quand même pas. C'est pas ce qu'il y a de plus ouf. D'accord, donc là il passe par ici. Donc il est quand même relativement costaud. La question c'est à quel point est-ce qu'il est costaud. Et salut Chrysotep, bienvenue sur le live. Alors non, il faut que j'aille là pour faire évoluer mes gros bestiaux. Eh bah ben ouais, ça roule ce BK, merci, bon courage pour les corvées. Alors, des gants miroitants. Contre un level 3 niveaux de plus que moi, j'avais que 7 escouades. Plus 25% de résistance aux dégâts de sort, bof.
Alors oui, je pourrais m'attaquer à son. Je pourrais m'attaquer à son. À sa ville là. Ça pourrait être une bonne opportunité. Hop là. En plus, il est pas dedans. Si, il est dedans. Aïe. Ah non, il est pas dedans. Par contre, il a une tour. Ouais, ça va être un massacre. Ça va être un vrai massacre. Combat rapide, qu'est-ce que tu me fais? Ça me va tout à fait. Allez. Par contre, je vais la détruire. Je vais pas la convertir. J'ai pas envie d'être bloqué à côté. Sachant que lui, il est par là. C'est peut-être une connerie, j'aurais peut-être pas dû la détruire. Pas grave, c'est fait. Ouais, mais si le problème c'est qu'il faut pas qu'il. Voilà. Il n'y a plus rien à piquer par là, hein. Je te le dis tout de suite. Donc on va améliorer ceci. Alors, je peux en faire que 4 parce qu'il me faut plus d'ambre. Hop. Tac et tac. Alors, si c'est bon, je peux l'atteindre. Et ben, ça va être le gros combat, grosse baston. Ah non, c'est bon, il est en vert. Qu'est-ce qu'il a? Il est niveau 14, je suis niveau 18 et il a rien du tout. L'avantage, c'est qu'il vient de faire un gros combat. Donc il a pris cher et je vais finir de lui faire prendre cher. Hop. Je fais ça en combat rapide à mon avis. Oh non, je le fais en vrai combat, allez. On est sur du live. Ouais, je perds rien. Je perds rien du tout, quoi. Plus. Oh putain, c'est fort ça. C'est tellement fort. Allez, on est sur du live. C'est vrai que je perds rien, c'est un peu con, mais. Alors, lui, il a creusé son trou. Donc, ça veut dire. Ah, c'est marrant. Ah, c'est intéressant comme façon de faire. J'y avais jamais pensé avec eux. Alors, sauf que c'est un peu con parce qu'il vient se coller à moi. Donc, en fait, il a activé la compétence embuscade qui fait que le premier ennemi qui rentre dans sa zone mortelle, il lui tire dessus. Je sais pas d'ailleurs s'il peut le faire en étant au cac. Mais du coup, on va tester. Hop. Eh ben oui, il lui tire bien dessus même s'il est au cac. C'est intéressant. Je le note. Bon, ensuite il meurt, mais... on va debuff tout ce beau monde. Je pourrais. Alors, ça me plaît pas trop que lui ait beaucoup d'initiative, donc on va le faire jouer après. Allez, ça c'est fait. Toi, tu vas t'avancer. Ouais, j'aurais aussi pu faire ça, en fait. Hop, c'est une autre façon de gérer les problèmes, c'est de les tuer. Ici, je vais. Donc là, il faut faire gaffe, hein, son rampant, il va sortir et m'attaquer sur une case, je ne sais pas. Oh, solide. Solide, j'ai plus pas suffisamment de quoi le bump, non. Alors, je vais me blinder. Hop. Ouais, l'avantage, c'est quand même, il fait pas trop de dégâts. Donc là, typiquement, eux, je vais les bouger. Enfin, lui, ouais, parce que j'ai moyennement envie qu'il ne refasse une attaque gratos. Voilà. Bon, il a tué ceux-là, c'est pas très grave. Waouh. Tout à fait.
Qu'est-ce qu'il y a dit ensuite? C'est eux. Ça débuffe la défense, c'est très bien. Ça roule. Bon vol, Ardarine. Lui, je vais doubler ses attaques à distance. Et hop, le poison devrait le finir. Normalement. 60 de dégâts de sang. Ah oui, putain, ça fait rien. Ils ont une sacrée résistance à la magie, eux. Oh tiens, je vais rire. On va rire. Oh non, on va pas rire. Hop. Allez, go. Et. Tac. Et zouf. Allez. Bon, j'en ai perdu plus que... Que sur... Que en auto, mais c'est pas grave. Je l'ai fait avec plus de brio, plus de panache. Je vais prendre là, je vais prendre une escouade de plus, en fait. Je me disais... j'ai plus un rond... Est-ce que je peux encore recruter des trucs, ceci dit? 0 sur 11, oui, donc je vais revendre tout ce que j'ai. Bon, même si c'est dit... Ceci dit, le combat, il est plié, là. La partie... Hop. Donc, je vais recruter une autre troupe de... Voilà. J'en aurai 20. Tac. Et... Genre, mais oui, mais oui là. Mais qu'est-ce que tu fais, gamin? Même lui, il te fait la tête au carré. Un petit échange. Un petit échange, donc ça là. Et tac, là ils sont vraiment complètement invincibles. Sérieusement, plus 3 de déplacement, plus 3 d'initiative. Ouais, c'est mieux. Plus 5 d'initiative, ça remplace quoi ça? Ça remplace l'épée qui me fait plus de déplacement, attaque, vision. J'avoue que celle-ci, elle fait un peu rêver aussi, quand même. C'est... Ah, c'est un truc à deux mains. Ah. Mais, ouais, c'est vraiment fort. Hein. Bordel. Ah oui, ok. Bon. On va pas faire le combat, hein. J'aurais effectivement pu y aller avec mon secondaire, là. Ça m'aurait pas coûté grand-chose. Ça par contre, tu me le laisses, s'il te plaît. Merci. Hop. Allez, je rush. De toute façon, son... Dans la mesure où j'ai terminé cette ville-là, j'ai vraiment plus aucune crainte. De quoi que ce soit. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Comme on le dit dans, je sais plus quel, c'est quel film, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Bon, t'as plus rien. Hop là. Hop. Ah, il en avait quand même 8 là. Jean, 18. Je suis totalement pas d'accord.
Mais totalement. Ah oui, tu me diras, ceci dit, vu ce qu'il a, ça se peut. Il a une sacrée. Ah, je peux. Ouais, je sais pas si ça suffira. Équipe de tireurs ici. Ah, j'aurais dû me mettre en portée mortelle. Est-ce que je peux le bump là? Peut-être pas. Alors par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est que là, je fais un petit portail dimensionnel qui me permet, hop, de m'installer là. Et du coup, je peux lui taper dessus. Le souci, c'est que du coup, c'est lui que j'avais mis le blind. Donc, il va pouvoir tirer. Oui, mais il peut moins tirer quand même. Il fait un peu moins malin. Là, ça me permettra pas de l'atteindre. J'ai combien de points? 10. Donc je peux. Hop, tac et tac. Voilà. Ça fait moins de pertes quand même. Hop, on a dit détruire. Et là, bah non. Hop. Hop. Là, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre ça, je peux prendre ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous dégagez. Et hop. Pour dire que. Hop. Et dernier tour. Oh, il a régène tout le monde, mais ça suffira pas. Oh, il n'avait même pas nettoyé ici. Tour 37. Tac. Ouais, il a plus rien. Combat rapide. Ça doit être son héros niveau max. Hop. Je sais pas comment il fait pour. Ah si, c'est qu'il devait l'avoir. Même chose, on détruit. Et c'est fini. Objectif atteint. Et je vais m'arrêter là. Ouais, j'étais quand même vraiment tout le temps au-dessus de lui. Il n'a pas vraiment réussi à prendre l'ascendant à un quelconque moment. Et je pense que si on regarde production d'or, j'étais au-dessus. Ah, pas tout de suite quand même. Pierre, bois, tissu, tout ça, on s'en fiche. Or conservé. Ouais, il a gardé beaucoup d'or au début. Ok. Durée 2h41 quand même. Bon, et eh ben je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi ce live. Merci à tous ceux qui ont été là, Aurélien Matou tout le long ou presque en tout cas.